Bonjour à tous, c'est Kemit, artiste slammer. C'est moi le coordinateur des ateliers sciences slam ici à Dakar. Bonjour, Joseph Mendy, candidat pour le concours sciences slam. Je m'appelle Oumar Ndiaye, c'est un réel plaisir de participer à cette compétition de sciences slam. Bonjour, mon nom c'est Trinité Kainen Diata. C'est avec un immense plaisir que je prends part à cette science de slam. D'où mon éruption pour apporter ma flamme. On a débuté par un appel à candidature et au sortir de cet appel, on a retenu certaines candidatures. Ensuite, on a organisé des ateliers durant 2 semaines. On avait un nombre de candidats et des thèmes assez intéressants, mais au fil du temps, il y a des candidats qui se sont désistés pour des raisons indépendantes. Il y a un qui était gravement malade, qui avait un sujet très intéressant. Il y a un autre qui a dû se déplacer, changer de ville pour des raisons professionnelles. Mais voilà quoi. Donc là, on a pu travailler avec certains candidats et on a un contenu satisfaisant. Donc on espère que demain, le résultat sera à la hauteur de nos attentes. Mais voilà, on espère que ce sera bien. Et on vous invite tous. Bon, pour le moment, on est dans les pleins tests techniques en connexion avec le Cameroun. Donc, espérons que ça va, le problème ça va se décanter tout de suite là. Oh ma douce souffrance, pourquoi s'acharner? Bienvenue à la grande finale du concours Science Lab. Science Lab est une plateforme qui offre l'opportunité aux scientifiques de découvrir leur univers de manière artistique. L'événement Science Slam, donc c'est la première édition pour le Sénégal, qui compte donc se tenir tous les ans. Le manteau d'emprunt de cette scène théâtrale crée la vie, oublie très souvent de faire triompher la dignité de l'esprit. L'ombre n'est qu'un reflet de soi, dans cette paisible ou pénible existence qui peine à nous laisser le choix, destiné à nous faire relever ce défi, car c'est au fond des yeux des autres qu'on peut voir ses propres défauts. On n'a reçu aucun profit du paraître. On va devoir s'unir pour s'élever ou être condamné à disparaître. À condition qu'on se souvienne que même le tiers-monde fait partie du monde entier. Car chaque être est une pièce maîtresse de ce puzzle qui constitue l'humanité. Cases immenses. Terre remplie de cases ou parcelles immenses. Frappée par une multitude de violences. Mais malgré tout, elle conserve son attirance et sa population garde sa tolérance. Je vais vous présenter notre travail de recherche en sciences de l'information et pour le diplôme de master. Et d'une manière libre, sans papier, sans discours, etc. Le continent souffre depuis des décennies. La science ne veut nous admettre qu'avec des remèdes inefficaces. Il faut se poser de bonnes questions. Pourquoi l'Afrique est en retard? À cause de la malnutrition ou à l'heure de son réveil? Il est déjà trop tard. Voilà le classement que vous avez donné. Bon, je commence par Oumar Ndiaye qui est classé 3e. Ensuite, vient Trinity qui est classé 2e. Et celui que vous avez mis en première position, c'est Joseph Mendy. Voilà, ce magnifique cartable qui est rempli de choses. Du côté institut, du stylo. Très beau vortex, on a beaucoup aimé. Voilà, c'est optimo. Ouais, ça fait plaisir de déjà remporter le concours. Et voilà encore. Voilà, deuxième fille. Parce que, à vrai dire, moi c'est ma première fois de faire du slam. Au début, je ne savais même pas ce que c'est que le slam. Mais là, je côtoie des gars qui sont vraiment calés. Bon, je souhaite que la suite sera. Super. C'est bon. Merci. Il faut rappeler une chose, vous faisiez la partie du concours. Et comme
avez deux candidats, vous avez décidé de ne pas aller ici pour compléter le truc et tout. C'est le plan B. Ouf, on a réussi. Dieu est grand. On n'y croyait pas, c'était difficile, mais on a réussi.